Fous-toi à genoux. Non. Regarde devant toi. Retourne-toi pas. Lâche ça, c'est pas la peine. T'inquiète pas, tu vas comprendre qui je suis. Souviens comment t'es rentré chez moi. Lâche-moi ! Le soir, la nuit, ce que tu m'as fait faire, ce que tu as fait à ma femme. Tu t'en souviens maintenant, hein ? Rappelle-toi. Hey, coucou Roxy ! Alors ? Bonjour ! Salut Claire ! Salut Luc ! Excuse. Y'a pas de soucis. Il est chiant, il écoute rien. Bah écoute. Oh, ça va toi ? Bah oui, et toi ? Bon alors rien, tu vois, j'ai fait une petite balade. Ouais. Profiter du soleil. Ouais, c'est bien. Et le mari ? Bah ça va, au boulot. Écoute. Bah tu passeras bien le bonjour. Ouais, pas de soucis. Bon, je te laisse. Allez, bonne journée, bientôt. Ciao. Salut. Excusez-moi. Oui, madame, excusez-moi. Oui. Je suis un peu perdu là, je cherche la route de la chapelle Saint-Martin. Est-ce que c'est dans le coin? Oui, c'est là-bas. C'est à combien de temps à peu près? À 10 minutes. 10 minutes, ok. D'accord, bon, je vais chercher un peu sur mon téléphone et puis je vais y aller. Merci beaucoup. Okay. Bonne journée. Au revoir. Ouais, c'est moi. C'est bon, je les ai trouvés. Ils sont parfaits, le bon petit couple modèle. Écoute, je pense bien les avoir choisis comme tu les aimes. J'ai l'impression que je te revaudrais ça, en tout cas. T'inquiète, le bon. Rien de trop difficile. Non, t'inquiète. C'est une grande baraque, il y a plein d'entrées, il y a juste un petit portail, et tu sais quoi? Il laisse même les fenêtres ouvertes parce qu'il fait trop chaud. Ok. Ouais, Eddie, ta petite, elle a bien reçu son petit ours en peluche, là, pour son anniversaire? Oui, elle était contente. Eddie, tu viens nous voir cette semaine? Ouais, je vais passer, t'inquiète pas, je vais venir. Bon, je te dis merci, en tout cas. Dac, amuse-toi bien. Merci, à bientôt.
Tu te réveilles? Oh, oh! Eh oh! Réveille-toi! Allez, réveille-toi! Réveille-toi! Ah, ça y est, tu te réveilles! C'est bien! Enfant! Alors, enfant. T'as bien dormi? Oh! T'arrives pas enfant. À parler? Enfant. T'arrives pas à parler, hein? Enfant. C'est pas grave! Tu vas regarder? Regarde là! Regarde là! Oh! Quoi? Quoi? Et si on allait la réveiller? Quoi? Hein? Oh, encore quoi? Alors? Quoi? Quoi? T'arrives pas à te détacher? Quoi? Hey! On s'entend plus! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. On va jouer un petit jeu maintenant. On va jouer. Au jeu de l'amour, qui aime le plus l'autre? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Hein? Et puis surtout, qui va mourir ce soir? Hein? Parce que quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir, eh oui, il n'échappera pas. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas. Enfin, je t'entends pas. Pourquoi ton problème, ton frère? Attends. Tiens, je suis quoi ton problème, sale tarine? Hey. C'est quoi ton problème? Hey. Quoi? Je te tais. Tu veux gâcher ma petite fête maintenant? Voyons ce qui se passe quand on touche à ta femme. Voyons ce qui se passe. Non! Non! Regarde, ça saigne! Qu'est-ce que tu fais, putain? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde! Regarde! Putain! Regarde! C'est un peu de sang qui te fait peur? Putain, mais taré, casse-toi! Taré? Casse-toi! Que je suis taré. Mais casse-toi! Tu trouves que c'est moi le taré? Mais qu'est-ce qu'il fait, putain? Tu trouves que c'est moi le taré? Tu crois que c'est pas toi? Putain! Casse-toi! Dans ta petite vie. Qu'est-ce que tu fais? Pas toi qui crois que quand t'es piégé dans ta petite vie, hein, avec ta petite femme, quand elle va te quitter, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Hein? Tu seras comme moi. Tu seras comme moi. Qu'est-ce que tu crois? Arrête. Tu commences à me faire chier, hein. Je suis pas taré. Je vis mon hobby. Un petit hobby. Comme tout le monde. Comme toi, t'as l'air de faire du sport, hein? Hein? Tu vas courir? Eh ben moi, c'est comme ça, je m'amuse. Et tu considères que c'est un truc de taré? T'as fait niquer ma fête! T'es content? Maintenant, tu vas lui dire que tu l'aimes plus que tout. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu vas lui dire. Chérie, je t'aime. Avec plus de conviction! Avec de l'amour. Allez, vas-y. Je t'aime, chérie. T'as vu ce qui arrive? Alors. Allez. Va la retrouver, maman. Allez. Va la retrouver. Va. Allez, va. Va. Ah.
vu ce que ça fait? T'as vu ce que ça fait? Regarde comme c'est appréciable. Comment t'as pu survivre? Viens là. Comment t'as pu survivre? Putain, t'as foutu deux coups de couteau dans le cou, putain. La seule fois où t'as été un peu négligent, tu m'as laissé une chance et tu la payes. Et ta femme, elle a survécu? Hein? On parle pas d'elle comme ça. Je te tais. Le deuil est fait, t'inquiète pas. J'ai pris du plaisir à buter ta femme. J'ai compris. J'ai pris du plaisir, alors vas-y. Je sais comment tu fonctionnes, t'inquiète pas. Tu viens comme moi. Regarde-moi. Ah, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire là? Hein? À ton avis. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? T'as réveillé Tu crois que t'es comme... Tais-toi. Tu crois que t'es comme moi? Tu crois que c'est facile d'être comme moi? Non, parce que toi t'es un gars bien. Hein? Toi, t'es un gars bien. Tais-toi. Tu sais que tu m'as fait ressentir énormément de plaisir. Grâce à toi, j'ai découvert des choses, des besoins que je connaissais même pas. Allez, putain! Maintenant que j'ai découvert ton hobby, on va partager ce plaisir. On y va? Ouais. Tu verras, c'est exceptionnel. Ah!